Donc me voilà dans ma chambre et je vais tout de suite vous la présenter. Donc déjà de ce côté on a mon lit, donc on a deux oreillers, donc voilà, et c'est tout oreiller comme ça. On a la télécommande des LED, donc voilà, par exemple je vais changer les couleurs. Attendez, hop, voilà, et moi je vais en mettre celle-là, qui a plusieurs couleurs, mais voilà. Du coup ensuite ça se plaît de là, tout doux. Donc c'est un plaid de grenat, on va dire. Donc voilà, et moi j'adore ce plaid parce qu'il est vraiment tout bon. Donc après, de ce côté, on a le lit de ma grande sœur. Donc avec pareil deux oreillers, un petit oreiller comme ça, pareil. Et deux petites peluches, donc voilà, ce sont ses peluches préférées. Donc voilà, avec ce plaid là rose, comme ça un peu plus... rose pastel, on va dire rose gold, je sais pas trop comment expliquer la couleur, mais voilà. Donc après on a encore des LED qui suivent comme ça tout autour, voilà, et voilà. Donc là on a l'interrupteur avec donc que j'ai décoré comme ça avec des petits trucs, bah, des petits stickers. Donc en dessus on a deux cadres de toile que j'ai fait. Donc un rose comme ça et un bah voilà, arc-en-ciel on va dire. Donc voilà, j'adore ces petits coins parce que ça fait je sais pas, ça fait joli. Donc voilà, donc là on va passer au bureau. Voilà mon bureau, il est blanc comme ça, il est super bien. Donc premièrement ici on a des surligneurs et des feutres, donc beaucoup de feutres plutôt que des stylos. Là on a un pot avec les stylos un peu plus noirs, un peu plus comme ça, voilà. On a ces petits vases qui sont trop bons, donc voilà. On a des petites décos comme ça. Ici on a un ordi et une bougie. Donc j'adore cette bougie parce qu'en fait elles sont trop bonnes. Et je l'ai eu pour mon anniversaire. Donc après, ici on a des petits carnets tout doux. Donc voilà, où j'écris mes idées de vidéo, etc. Et cette petite trousse rigolette. Voilà, il y a à peu près tout. Donc ça, j'adore. Oh, voilà. Et on a un petit Rubik's Cube que j'ai mis là pour déco. Pour la déco. Voilà. On a après, ça c'est pour mettre des bijoux normalement, mais moi je vais juste poser comme ça. Et on a des autres... carré. Là on a mis ce petit vase avec des stylos en forme de fleurs, c'est joli je trouve. Donc après ici on a une petite trousse avec des choses à l'intérieur et aussi des pyramides comme ça, plein de pyramides et ça aussi. Et là on a encore une bougie qui sont trop bons. Donc après ici on a des carnets, donc voilà. On a ce carnet là, cette toile là que ma soeur a fait. Là on a des bombes à eau. Donc je sais pas pourquoi ils sont là, mais voilà. Et encore un autre truc comme ça à bijoux. Donc voilà. Après là on a un baf, c'est pour écouter de la musique. Donc voilà. Ici on a une petite feuille, des autres cadres, cette petite truc comme ça. Et ça, donc voilà, pour mettre des washi tapes. Donc voilà, ici on a ça et on a ces petites figurines que j'adore vraiment, elle est super mignonne. Donc voilà, c'est Pikachu qui dort, j'adore. Donc ensuite en dessus, on a des poupées. Donc voilà, on a, en fait j'ai mis à peu près tout ce que j'aime mais que je trouve pas une place dans ma chambre. Donc on a cette petite plante, on a un Pupsi slime, on a, bon j'arrive pas très bien à voir, ça c'est un Kinder, des peluches taille. Ensuite là on a une autre bougie, de l'argent, ça que ma soeur a fait, ce petit truc comme ça, je sais pas comment on appelle. Voilà, des toiles aussi que ma soeur a fait, voilà, elles sont super jolies.
Donc après, en dessous, donc on a ce pouf. Donc voilà, c'est un pouf comme ça. Il est simple, il est mignon, j'aime bien. Après ici, on a des feuilles comme ça de Harry Potter. Donc là, je vais vous montrer. Donc voilà. C'est joli, donc voilà. Après, attendez, je vais juste remettre ça. Après, on a quelques cahiers comme ça, voilà, qu'on n'a pas utilisé, qu'on va prendre pour la rentrée. Donc voilà. On a aussi des petites fiches Bristol. Ça, c'est la base pour la rentrée, donc voilà. Ensuite, ici, on a toutes nos affaires scolaires, que, voilà, quand on les a mis là. Donc, ça, vous avez déjà vu dans ma vidéo précédente. Enfin, précédente. Je ne sais plus combien de semaines je l'ai fait, mais voilà. Et là, on a juste un petit tiroir avec, voilà quoi, des trucs simples pour la déco. Bien, voilà. Donc, voilà. Si vous voulez voir en détail, bah, dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un desk tour. Pardon. Donc, voilà. Après, ici, au mur, on a mis des petites... feuilles, on va dire, où c'est dessiné, voilà, c'est un petit paysage, et là aussi, donc voilà. Donc après on passe à l'armoire, on a ce gros miroir, donc voilà. Ensuite de ce côté, quand on ouvre, on a mes habits à moi, donc ça c'est mon étage, ça c'est l'étage de ma grande sœur, et ça c'est l'étage de ma petite sœur. Donc après ici on a des trucs, donc là on a des petits fidget toys, donc voilà, lui c'est mon Poppy préféré, d'ailleurs tous les autres Poppy sont disparus comme par hasard. Voilà, donc on a ces petites balles anti-stress rigolotes. Voilà, donc je l'aime bien, elle est anti-stress. On a un squishy que j'ai eu à mon anniversaire précédent. Donc c'est pas le 11, c'est le 10, donc voilà. Ensuite là on a la ring light avec plein de câbles, etc. Là, on a un mini ordinateur pour regarder des films. On a quelques feuilles, etc. Donc voilà. Là on a des trucs, donc par exemple une agrafeuse et un truc pour le scotch. Là on a un jeu de société, celui qui est pour mon ami. Et un autre jeu d'échecs et une fois la société, voilà. Après, on a cette loupe. Wow. Voilà. Donc, voilà, j'aime bien ça. Donc, après, là, on a mes cartes Pokémon. Quelques de mes cartes Pokémon. Bon, elles sont toutes mélangées, mais voilà. Donc, après, on a des petits... faux tatouage, donc ça je les mets quand je m'ennuie, quand j'ai rien à faire. Et on a encore des bombes à eau. Bah voilà, on a la poupée de ma petite soeur, donc voilà, c'est Barbie. Et on a des élastiques, donc voilà. Donc de ce côté on a une plante, donc voilà. Et de ce côté là on a des cintres, comment ça s'appelle déjà, des planches de veste, voilà, et des robes comme ça. Donc après ici on a un peu plus en droit travaux pratiques avec plein de choses. Donc là par exemple dans ce tiroir on a des pinceaux, dans ce tiroir là on a des petits crayons aquarellables avec des pinceaux à réserver. On a des trucs de poterie, on a des crayons. On a des bougies, donc voilà. Voilà, de ce côté-là, on a des du fil et des perles. Par contre, on doit racheter des perles parce que sinon on n'a plus, donc voilà. Hop. Donc de ce côté, on a un truc de la broderie, un truc, ça, je sais pas, c'est du fil. Des Lego Harry Potter, et ça, c'est pour mettre du fil à l'intérieur. Et là, je vais pas l'enlever parce qu'il y a... plein de trucs à l'intérieur, mais sinon voilà, il y a genre du fil et quelques perles, etc. Donc après de ce côté on a tous les trucs d'art, donc on va dire on a la palette, on a trois palettes, voilà, on a des carnets, on va dire,
Et voilà, des plus gros carnets. On a des... Oh my god, ça, voilà. On a des papiers cadeaux. Donc ça, c'était... Voilà. Donc là, on a une petite palette. En fait, ma soeur, elle apprend qu'on... Quand par exemple elle voyage et qu'elle veut prendre ses trucs de dessin, donc ça c'est une mallette comme ça où il y avait des trucs de dessin, donc voilà, elle l'a vidé et ça lui sert encore. Là on a des autres pinceaux, donc voilà. Là on a un baume à lèvres, je sais pas ce qu'il fait là, mais voilà. Et là on a du n'importe quoi, donc je vais pas vous montrer ça. On a genre des baumes à lèvres, des chaussettes, etc., des sous-vêtements, etc., donc voilà. Et là-haut, on a juste des petits sacs, des petites sacoches et un sac poupette que je vais vous montrer. Donc, je vais vous le montrer. C'est une glace et ça, j'adore. Ça. Voilà. Donc, en fait, c'est une sacoche poupette. Et voilà. J'adore. C'est une petite glace arc-en-ciel. Et voilà. J'adore ça. Donc hop, je vais le remettre. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour pour ma chambre. Donc c'est la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, surtout de vous abonner. Kiss.